fait plus de tic-tac pour moi. Ça descend. Ah, j'ai mis la Duchère, bah oui, ils sont favoris pour monter, ça fait 3 ans qu'ils sont favoris. Ils sont favoris aujourd'hui. Deuxième de R1, ils étaient premiers il n'y a pas longtemps. Nous, bah voilà, on va pas se mentir, en difficulté. On a aussi les 17 qui sont venus nous donner un coup de main. Jimmy, qu'est-ce qu'on a à perdre en fin de compte? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, pour moi, rien. Strictement, rien à perdre, on a tout à gagner. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Et ça, moi, je le pense très sincèrement. Déjà, c'est faire fermer les bouches à tous ceux qui nous dénigrent depuis quelque temps. Parce que malgré tout, c'est un événement où il ne faut pas se tromper, il faut prendre du plaisir. Dans la semaine, j'ai dit place au football et je le pensais sincèrement. En donner aux autres, au club, à sa famille. Parce que je pense que mine de rien, il y a une petite fierté pour vos proches de venir ici, de s'asseoir en tribune et de voir faire un 32e de Gambardella. Parce que c'est pas donné à tout le monde, sur les 16 qui sont ici, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui vous envient, d'accord? Et croyez-moi, d'accord, je pense sincèrement que vos proches sont quand même fiers de vous. Ils vont venir, ils vont s'asseoir, ils vont vous regarder jouer. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Alors soyez aussi vous fiers de ce que vous avez fait. Pas vous, hein. C'est la Duchère, hein. Ça s'arrête là. Hein. Donc pourquoi pas vous, ok? J'ai mis vivre chaque seconde de ce moment intensément, vivez-le à fond. Profitez. Profitez, voilà, depuis que vous êtes ici, profitez de ces moments humains, de ces partages, quand vous allez descendre, quand vous serez dans le vestiaire, quand vous allez vous échauffer, quand vous allez vous mettre dedans. Profitez de tout. De chaque seconde, de chaque seconde. Alors certes, ce n'est pas une affiche, c'est que la Duchère, mais c'est un 32e de finale. Profitez de cet après-midi-là. Profitez pleinement. Pleinement. Certains diront que ça reste qu'un match de foot, mais entre nous, non. C'est plus qu'un match de foot. C'est un événement. C'est un événement. On est tous à la recherche d'émotions. Alors pour moi, c'est un événement. Moi, titre personnel, c'est un événement. C'est un événement pour moi, un 32e de finale. Je suis coach. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça, les gros. D'accord? À briller, se montrer, mettez-vous en valeur. Mais jamais au détriment du collectif. Mais ouais, briller. Briller. Brillez pas n'importe comment, d'accord? Brillez pas individuellement, brillez pour le collectif, mais ouais, moi je vous invite à briller. Ça voudra dire que si vous faites tous un bon match individuellement, collectivement on va faire un bon match. Alors ouais, je vous le dis, moi, brillez. Brillez, ça veut pas dire se la raconter, mais ça veut dire briller, ok? Ressortez grandi à 16h30. Ça c'est pour le scénario, je ne connais pas le scénario du match. Je ne le connais pas du tout, je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le connaît. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, on va sortir de ce match. Propre, j'ai mis collectif, combattant, respectueux, peu importe la gagne ou la défaite, peu importe, il y a quelque chose, on n'a pas le droit de tricher, c'est les valeurs, c'est ce qu'on va y mettre, on n'a pas le droit de tricher, peu importe ce qui va se passer, je vous le répète, on donne une bonne image de nous-mêmes, d'accord, une image d'une équipe, une équipe soudée, etc., mais une vraie équipe, et je vous le répète, peu importe ce qui va se passer, on se comporte toujours correctement. D'accord? On est des combattants, on est respectueux, on est mature, fort mentalement, toujours debout. Et j'ai mis jamais KO. Jamais. Jamais KO. 70% votre tête et 30% le football. Et aujourd'hui, ça va être ça. 70%. Le terrain va être gras. Il va y avoir des duels. Il va falloir répondre présent. Mais là-dedans, on sait jouer au foot. On a vu 2-3 petits trucs. On a travaillé ensemble. Il y a énormément de qualité. On n'a rien à leur envier. Strictement rien. Par contre, là-dedans, il va falloir être très très costaud. D'accord? Je vous le répète, 70%. Si là-dedans vous êtes 70%, je ne me fais pas de soucis. Avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard, on avance, et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes, et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. C'est le gars qui
est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et je sais que si ma vie va encore être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que ma vie, ça se résume à ça. Regardez le gars qui est à côté de vous, regardez dans ses yeux. Moi je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Mais soyons guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe. Soit nous mourrons tous en tant qu'individus. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Les détails, prends la vif, la concentration, la rigueur. Vous connaissez tous ces termes, hein, je ne vous apprends plus rien maintenant. Faites basculer les détails du bon côté, c'est tout. Et rappelez-vous, hein, avec ça, hein, avec ce qu'on a dans la tête, on renverse tout. Hein. On renverse tout, hein. La tête, le football, vous l'avez, les jambes, vous l'avez, prenez les bonnes décisions au bon moment, et je répète, hein, on ne fait pas ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on doit faire. Je répète encore une fois, faites ce que vous devez faire. Abdoul! Encore Abdoul! Oh! Allez Abdoul! À toi, oh, jouer, hein. Limite, mis à part peut-être les 10 dernières, mais on avait plus la sensation qu'on pouvait marquer sur les ballons qu'on avait récupérés. Je pense qu'on aurait peut-être plus dangereux, plus que passé. Non. Vous sentez un adversaire supérieur à vous? Non. D'accord. Je vous l'ai dit, je vous le répète, comme souvent, ça peut se jouer à des détails. Ça peut se jouer à des coups de pied arrêtés. Soyez vigilants maintenant et essayons d'en donner un petit peu moins. D'accord? Ça, des temps de conservation un petit peu plus conséquents. D'accord? Des récupérations, si c'est risqué, on prend des relais. Ok? Et ça va venir. On va finir par en mettre un. D'accord? On va finir par en mettre un. Et je répète ce que j'ai dit en amont. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe. On est rentré en mode guerrier. Je ressors en mode le match, il débute. C'est un nouveau match qui va débuter. C'est à nouveau, on remet tout ce que vous avez mis sur l'envie, la détermination, là. D'accord? À 14h30. Là, maintenant, c'est un deuxième match qui commence. C'est un deuxième match et on est comme ça. On est comme ça à nouveau. On rentre encore en mode guerrier, je lâche rien, etc. On joue, les gars. C'est maintenant. Hein. Allez, on lâche tout. On lâche tout, les mecs. Allez! C'est sûr, on peut rien.
chaîne. Star pendant. Oh, je vous gagne. Mais c'est quoi ce match? Oh non, mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match?